Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de J3D Modding. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans le réel puisque nous sommes partis en direction de la ville de Mons, juste à côté d'Alès, pour une journée spéciale auto. Il s'agit de la troisième ronde monsoise organisée par le pilote gardois Arnaud Durand et d'autres passionnés automobiles. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a à peu près 50 engagés, donc c'est pas mal. Par contre, je connais pas du tout la liste des voitures, ça sera un petit peu la surprise. Je pense qu'il y aura des voitures déception. Les précédentes rondes étaient vraiment bien fournies et je pense que là, il y aura pas mal de surprises. Allez, c'est parti! Voiture de course, groupe B. Alors regardez un petit peu ce qui arrive. Classique 4L, 800 chevaux. Elle est toute d'origine celle-là. Franchement, très sympa. Une Clion. Elle est superbe, elle est superbe. Et celle de mon père. J'aime plus les manies sur votre bateau. Qui l'a vendu, bien sûr. BM E30 M3 flambante. Sa petite sœur, on va découvrir le cabriolet. Petit zoom sur l'Alpha. La voiture soit ouverte pour voir un petit peu son intérieur. Il est incroyable. Si vous avez eu ce framen, excellent. Franchement, super. Super bon. Celle-là, on la connaît. Petite Mégane RS. Alpha. Retour sur cette Alpha. Juste à côté, une Peugeot. Le parking se remplit de plus en plus, suivi d'un Jaguar X G-Sport. Regardez ce qu'il y a. Notre 4L.
voiture vintage. Il n'y a pas que du vintage, hein. Il y a aussi du très très lourd. Avec cette Honda S2000. On va voir un petit peu l'intérieur de la voiture. Franchement, excellent. Juste devant, une Mazda MX-5. On connaît bien sûr, c'est tout pour ça. Franchement, splendide. Cette Mustang. Quel intérieur. Nickel. C'est un spectacle, si tu veux, ça retrace toute l'histoire. Une autre voiture de course, la Mehari Loisir. Une restauration vraiment impeccable. Non, ce n'est pas les carnets de Julie, mais c'est tout comme une 304 cabriolet. Dans un état absolument nickel. On peut voir d'ailleurs même l'intérieur. Avec même le poste d'origine. Absolument superbe. Et juste à côté, une 104. Toujours 104. Là aussi, en intérieur, tout d'origine.
boîte auto